Panda, la boulangerie Le Pain de nos ancêtres, fabrique, pétrit, cuit et vend sur place depuis un siècle. Chaque semaine, ce sont 300 kilos de pain qui sortent du four. Aujourd'hui, une petite quinzaine d'employés se relaient jour et nuit pour faire tourner l'établissement. Une belle réussite et une fierté pour son gérant. C'est une boulangerie qui est centenaire, c'est la seule boulangerie du village. On a repris le flambeau de la grand-mère, enfin mon père a repris d'abord le flambeau de la grand-mère qui était dans les années 80 et moi ensuite avec mes frères. On ne fait que perdurer la tradition. Et la particularité, c'est qu'on travaille tout au feu de bois et on pétrit encore à l'ancienne. Un pain un peu moins développé et avec plus de goût, oui. Une texture différente. La production de la journée commence la veille au soir. En fait, on a toute la nuit, on travaille 24 heures sur 24, voilà. À part le lundi, hein, on est de fermeture le lundi. Et tous les matins, on a un camion qui part faire les livraisons, en effet, sur la région lilloise. Ouais. Seul point négatif pour François, concilier sa passion à sa vie de famille. C'est toujours compliqué. Mes enfants sont toujours en train de réclamer, comme quoi on ne fait jamais rien, quasiment rien en famille. C'est côté négatif, mais bon, voilà, c'est le métier qui veut ça. Ah ben c'est l'amour du bon métier, hein, ça c'est la première condition. Hein. Si on n'aime pas ce qu'on fait, j'aime mon métier, voilà.